l'Anjou est un pôle très important de santé sur le territoire angevin. Nous avons subi le 23 janvier 2021 une cyberattaque à 2h30 du matin, ce qui a immobilisé l'ensemble de notre système d'information. Tous les PC et tous les serveurs étaient cryptés, rendant l'accès impossible. Malgré ce blocage, nous avons pu continuer à réaliser les soins auprès de nos patients grâce au mode dégradé qu'on avait mis en place. La prévention est vraiment très importante au niveau des systèmes d'information pour qu'on puisse mettre en place les systèmes nécessaires pour limiter les intrusions. Et maillon essentiel aussi, c'est d'avoir des sauvegardes à jour et qui soient récupérables. Aujourd'hui, suite à notre cyberattaque, on a renforcé l'ensemble de nos règles, on a segmenté notre réseau pour pouvoir séparer les différents utilisateurs de notre réseau. Et en cas d'attaque sur un segment, ça limite la casse sur les autres segments. Donc, la prévention est très importante et depuis notre attaque, on a vraiment mis l'accent sur ce point-là. Donc, dès qu'on a su qu'on était victime d'une cyberattaque, on a contacté notre assurance Reliance avec qui nous avons un contrat de cyber-risque, ce qui nous a permis de s'appuyer sur d'autres prestataires pour d'une part investiguer sur ce qui s'était passé et permettre aussi de nous aider à reconstruire correctement notre système d'information pour éviter d'avoir une nouvelle attaque. Ils nous ont également aidé à trouver un prestataire pour restaurer l'ensemble de nos sauvegardes. Et le troisième volet de Reliance était l'indemnisation, puisque la remise en état de l'ensemble du système d'information a quand même été un coût financier élevé et Reliance nous a accompagnés et indemnisés sur une bonne partie de ces